là. Excusez-moi. C'est tard, hein, c'est tard, c'est tard. C'est tard. Bonjour YouTube. J'ai dû couper la VOD, mais voilà, on avait juste commencé une petite mission. On avait juste commencé une petite mission, calmez-vous. Donc petite mission. Fallait juste tuer trois cibles. Voilà, c'est juste ça qu'on a fait. N'oubliez pas, dernière VOD, on a. Dernière VOD, on a fini la séquence 7. Et on avait remarqué qu'il nous restait. Qu'on avait des missions de voleurs qui venaient de se débloquer et des missions de. Bon, bah, je m'en fous. Et moi, je tombe. Oh, mais laissez-moi. Et pourquoi je peux pas prendre. J'ai plus d'armes. Allô? Ok. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais ok. Pourquoi j'ai plus d'armes? Allô? Bon, on fait cette mission. C'est pour éviter de prendre les dégâts de chute. Allez, des bisous. Tu vas t'en sortir? Oui, avec la vie qu'ils ont et tout, oui. Je pense qu'ils peuvent même 1v15. Je sais pas, je flippe alors que ça, c'est pas compliqué pour eux. Bon, allons faire cette mission. Et puis après, on va reprendre. Donc, plein de petites missions à faire. Allô? Suite à la disparition tragique de son seul et unique employé. Des bisous. Des bisous. Ok, bah ça, c'était pas bien compliqué. Et là, ils vont finir le dernier. Par contre, c'est fou, j'ai plus d'armes. Bon, vous y arrivez là ou... Ok. Bah tiens, y a un forgeron juste à côté. Laissez-moi vous soigner. Bondi. Attendez. On va aller là. Je peux aussi vous proposer tout un tas. Ah. C'était laquelle? Épée longue? Terminer la quête marchande pour débloquer cet argent. Alors c'était pas celle-ci. Sélectionner. Ah, épée longue, elle est pas mal. Hein. Envoyez-nous vos amis. Ok, c'est bon, on a récupéré notre épée. Bon, on a plein de petits objectifs secondaires à faire, principalement. Pigeonnier, oui, c'est pigeonnier. Alors, Rose Fleury, c'est good. Guide des assassins, mission voleur. Donc il faut trouver un point de TP pas trop loin. On en a un juste ici. Allez, c'est parti. Donc on va lancer nos missions voleurs et nos missions. Nos autres missions. Nos missions combattants. Ou mercenaires, comme ils disent. Et puis après. On sera parti. Allez trouver Pentis là. Ouais, je sais. On a débloqué plein de nouveaux trucs et on va aller découvrir tout ça. Ça va être un peu chiant et long, mais au moins, si on se fait une petite VOD là-dessus, après il nous restera, allez, max 2 VOD pour finir le jeu. Ok. Allez, on y va. Interagir. Guilde des voleurs. Guilde des voleurs. Hop, c'est parti. On va servir un petit verre avant. Un petit peu soif.
Bon, allez, allons le voir. Je sais pas ce qu'il me dit, j'ai pas fait une mission, j'ai pas fait. Ah si, j'ai de la thune, ok. Interagir. Alors, qui c'est qui me peut proposer une mission? Ah, qui c'est? Qu'est-ce qu'il veut quoi, là-bas? Oh, j'ai faim! Oh, j'ai une dalle! Intérieur. Ezio. La volpe. Cento Occhi sont furieux. Bene. Il faut s'attendre à des représailles. Ils n'en auront peut-être pas l'occasion. C'est nous qui allons les harceler. Rejoins mes espions, ils t'expliqueront leur plan. Ok, bah chaud, chaud, chaud. Allez, on a déclenché mission voleur. On va aller faire la mission combattant aussi. On va se TP. Ah non, c'était juste là. Allô? Pire devise. Ah si, si. Et c'est baraquement, c'est parti. SPQR, j'adore le SPQR. Ça nous rappelle Rome, jure. Excusez-moi. Allez, c'est juste ici. Oh, il y a un repère des Templiers. Oh là là, tellement de choses. Bon, arrête un peu long. Salut toi. Alors, dis-moi. Le pape est agacé par vos succès. Rodrigo a nommé plusieurs nouveaux membres à la curie. Le gouvernement papal est constitué d'hommes acquis à la cause des Borgia. Ok. Machiavelli les connaît bien. Je vais les rencontrer. Merci. Ouh, j'ai fait bugger le truc. Non, c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a un truc ici. Un repère des Templiers. 4 contrats d'assassins. Et un contrat d'assassinat ici. 4 contrats de voleurs, pardon. Un deuxième ici, un troisième ici. Et un repère de Romulus. Et B, ça va peut-être nous prendre 3 OD, ça. Attendez. Je vais peut-être t'en racheter, je dois plus en avoir beaucoup aussi, il m'en restait. Voilà, vous serez vite guéri. Bah merci mon ami. Allez, on y va. Allez, petit cheval. On y va. Tu... J'aimerais que le sol se dérobe sous les pieds des bois. Ça va, t'énerve pas, lui il s'est énervé lui. Bon, on a un repère des Templiers qui s'est mis à jour. Ah ouais. Allez, on y va. En espérant sortir pas trop loin. C'est pour aller choper de la thune et pour le faire au moins. Au moins on se dit qu'on l'a fait. Oula! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Évitez de tuer plus de 2000. Trouvez le coffre-fort des Templiers. On est dans une clairière. On a suivi un aqueduc. Qu'est-ce que c'est? Combien de temps allons-nous encore devoir travailler pour un salaire de misère? Quand l'aqueduc sera enfin réparé, nous serons en mesure de transporter le trésor hors de la carrière. Et là, vous serez tous payés pour vos efforts. Toujours les mêmes mensonges. Il est temps de prendre ce qui nous revient de droit. Qui est avec moi? Voilà ce qui arrive aux insolents. Que ceci serve d'exemple à tous. Maintenant, remettez-vous au travail. T'es ça la vénère.
Ah oui, c'est vénère. Hein. Oh, ça fait du carreau d'arbalète, ça. Ça, je le remercie. Hein. Oui, bon, je vois le genre, t'inquiète. Petit coffre. Activer la première roue hydraulique. Ok, c'est des balles. Une fois que je suis là, qu'est-ce que je fais? Ah non, j'ai pas la ref. Ah! Mais où? Mais lequel? Je me demande à quoi sert ce mécanisme. Je pourrais tirer dessus d'où je suis. Mais de quoi tu parles? Ah là! Merci. J'ai pas la ref. Ah oui, c'est comme ça que marchaient les pompes hydrauliques. J'espère que ça ne va pas céder sous mon poids. Ok. C'est pas facile ce repère de templier là. J'étais pas prêt. Il a le droit de faire ça. C'est pas mon problème. Bah alors ta gueule. Et là l'échelle se débloque, si je tombe je pourrais remonter. Voilà. Faut laisser couler de l'eau par là. J'ai la ref. Tu m'indiques l'endroit. Et j'ai compris. Je sais pas du tout. Bon, comment amener l'eau à ces trous? Vision d'aigle. Faut aller tout droit. On va changer de point d'observation. Voilà. Celui-ci est en place. Je n'ai plus qu'à aligner l'autre. Ah ben j'avais pas visé au bon endroit, mais c'est passé. Bon, comment amener l'eau à ces trous? Ok, c'est bon, ça c'est géré. Mais ça se réinitialise, ça? Je l'ai pas déjà pris? Merde, je peux utiliser cette machine pour monter. Ok, attendez. J'ai pas la ref. Ok, c'est ici. Ça c'est chelou, hein. Ok, j'ai pas la ref encore. J'ai débloqué un truc par ici. Voilà. Nardo s'est sûrement impressionné. Et ça permet de monter. Nice. Ok. On est là-haut. Où ça? L'assassin, aidez-moi! Descends et viens m'affronter, sale lâche! Deux fois cette somme à l'homme courageux qui le tuera! C'est l'argent qui fait tourner le monde! T'es pas d'accord, assassin? Ouais, non, mais je veux pas vous tuer, vous. Si tu froidement dégages, mais t'en prendras-tu à de pauvres travailleurs?
Ok. Bon, j'en ai tué un. J'ai pas envie d'en tuer un deuxième, hein. Donc je me tire. Allez, des bisous. Hop. C'était juste pour le coffre, excusez-moi. Et bam. C'était pas par là, du coup. Je reviens. Et bam. Mais je veux pas vous tuer, les gars. Oh, et puis vous me tuez, hein. Voilà, vous êtes chiant en force. Salaud. Alors, je veux bien. Bon, eh, t'es chiant. Ouais, non, ça va saouler. Ok, il fallait tirer là-dessus. Utiliser la grue pour détruire le balcon. Je veux bien, mais comment je l'atteins au tir? Là. Je suis là. Sérieux, t'as mal visé? J'espère, hein. Allô? Ça va marcher? J'arrive, je fais vite, promis. Ok. Cette machine ne te sauvera pas. Faut aller retirer sur l'autre. Ok, my bad. Allez, on y retourne. Il est chiant en fait là. Ah. Mais casse pas tout. Je voulais récupérer le coffre. Je passe par où, moi? Salaud. Ok. Faut que je le tue ou juste que je le poursuive? Allez, bam. Je prends un raccourci. Ok, c'était à gauche. Ok, faut direct monter. Ok, c'était là. Et bam. Alors là, j'ai pas la ref. C'est pas ça? Ça? Ok, je fais comment? Merde, c'était là. Oh, mais c'était pas obvious là. C'était pas obvious. My bad. Donc on reprend la suite. On monte là. Ok. Allez, fuis mon ami. Pourquoi j'ai qu'une lame et pas la double lame? Ça me saoule, hein. Ne bouge plus, tu entends?
J'étais tellement rapide. Aïe. Cette carrière sera ta tombe, assassin. T'inquiète, je gère. C'est méga chaud, hein. Stylé mais chaud. Ok, je gère. Je sais pas s'il fallait tirer dessus, mais je lui ai tiré dessus. Non, tu ne me tueras pas. Ouh. T'aurais pu me tomber sur la gueule, ça. T'es allemand? Donc je garde ça au cas où. T'es, il est chiant lui, hein. Oh la mine, si tu y tiens, elle ne m'intéresse pas. Je suis ton homme. J'avais prévenu, hein, tu m'as saoulé. Allez, je te finis la main. Oh, tu me saoules. Non, je te finis comme ça. Hein. Allez, des bisous. C'est pas passé. Je veux bien que tu me mettes tous les dégâts. Voilà. Pas chiant, lui. Mais pas chiant. Elle était stylée la course poursuite par contre. Et bam, trésor oublié, un des Templiers. De l'ambre. Bon, c'est pas ça qui nous validera les quêtes. Ah, 170 000. Et bam, 160 400. Bon, j'ai tué quelques mineurs, mais ils m'ont cassé les couilles. Et 4000 balles, c'est gratos, c'est pour moi. Allô? Moi, je pensais que ça nous ferait sortir instantanément. Oui, on a tout un décor ici, c'est magnifique. Bon, je suppose qu'on va rentrer, mais on avait tout un décor qui était très joli. Dans ces clairières, plutôt joli, avec quelques coffres. Tu vois, on aurait pu caler quelques coffres, quoi. Éviter de tuer plus de 2 milliards, ils m'ont saoulé. Genre beaucoup. Donc, moi je veux bien éviter, mais c'est eux qui ont commencé, quoi. Nombreux sont ceux qui ont du goût, mais aucun style. Laissez-moi vous conseiller. Ah. On ressort pas trop loin. T'es sûr? Ah. Merci. Bon, et vous savez quoi? On a un contrat assassin ici. C'est parti. On a récupéré notre double lame, oui. Ok. C'est parti. Interagir. Mission. On écoute la mission. Un verso de rôle, tuer au moins une brute, un tracker et un garde fortifié avec leurs propres armes. Non.
Atteignez la caserne des gardes prétoriens. Qui, j'espère, n'est pas trop loin. On va prendre le cheval. Eh, le cheval. Fais pas comme d'Odyssée. Hein. C'est ici? Non. C'est où? Ah, c'est là. Ok. C'est parti. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse là-dedans? Tuer les cibles. C'est tout? Ah, je m'attendais à plus de difficultés. Ok, attendez. On va essayer ça. Donc faut que... Oh, ça l'a fait tomber, j'ai juste trop triste. C'est bon, on peut faire ça. Et... Oh ouais, trop stylé. C'est celle-là maintenant. Attendez. Moi je connaissais pas ce principe d'arme. Je suis refait là. Vous venez de refaire ma journée. Pas où c'est qu'on passe, c'est par ici. Vous voyez, on tue le français ici, je sais pas si vous vous souvenez. Ah, c'est les gardes de phare. Vous m'avez saoulé. C'est bon, vous m'avez saoulé. Allez, des bisous. Moi, je me tire. Non, non, ils m'ont saoulé. C'est bon. J'ai pas le temps. Ça, c'est chaud, hein. La quête secondaire est très chaude. Ok. Bon, on n'est pas proche de grand-chose, but... On a des petits contrats de dollars à faire. C'est parti. Déjà, tirons-nous de cette belle zone. Chevalesse. Allez, viens, mon petit cheval. On se tire d'ici. C'est pas accueillant. On s'en va. Hein? Parler de moi? Stallmaster? Ah, ça me gratte le nez. Excusez-moi. On a tout à 100%. Hein. Moi qui pensais qu'il y avait une deuxième ville, autant pour moi. Mais on a un joli rhum, un très grand rhum. Donc, tant mieux qu'ils préfèrent faire un joli rhum plutôt que trois vieux Venise. C'est un exemple. Hein. Venise était très jolie. Hein. Enfin, Assassin's Creed 2 en lui-même était magnifique. Trop de jeux, trop de quêtes, trop de campagnes. Allez, je m'arrête là. Bon, allez, je descends parce que tu chiens. Ok, la première quête voleur à faire, elle est ici. Rien pour l'instant. Allez, je t'écoute. Les Gento Oki emploient un scribe appelé Vincenzo, un érudit qui s'entraîne au combat avec un garde au service des Borgia, un dénommé Galvan. Faudra tuer les deux. Nous avons une occasion d'envenimer les relations entre nos deux ennemis. Trouve Galvano, tue-le et prends l'un de ses objets personnels. Puis glisse-le dans la poche de Vincenzo. Mes frères et moi ferons en sorte que les Borgia n'entendent que notre version des faits. Oh, ça va être chaud ça. Allez, c'est parti. Ne vous faites pas repérer. C'est déjà chiant. Allez, un autre suit Galvano. Qui n'est pas trop loin, j'espère. Je sais quoi, on va garder notre lame secrète pour l'instant. Je
Je sais pas ce qu'il me voulait, mais... Il m'a saoulé. Allez. On récupère. Petit carreau d'arbalète, ça fait plaisir. Vol réussi. Je fais comment? Ils veulent que le jeu cale là-haut, c'est ça? Bah je peux pas en fait. Ma mission elle est morte là. Oh, attendez, attendez, moi je suis softlock là. Placez les produits chez eux, ça vous fait repérer. C'est tout? Alors, sans se faire repérer, ça risque d'être chaud. Il est tourné à gauche? Je suis une pute. Et... Nice. On a réussi. Allez, on regarde. Je suis innocent. C'est normal qu'il le fouille. Alors, c'est bon ? Qu'est-ce que c'est ? Viens avec moi. Bon, F. Bon, bah, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a ? Bah, tiens, parlons de meurtrier brutal. En parlant de ça, on a juste une qui est à côté là, attendez. Ah bah oui, bah ça va. C'est juste là. Bon, il était là, on l'a tué, c'était fait, et puis voilà. Ça a l'air de jouer sur cette hauteur. Parce que je suis un assassin. Ouais, c'était de l'autre côté, ok. Ouais, bam. Salut toi. Alors, dis-moi la quête. Nous avons passé un accord avec tous les mendiants de Rome. Nous ne les volons pas et en retour, ils feignent de ne pas nous voir. Cela arrange les affaires de tout le monde. Par contre, les Tiendo Occhi s'attaquent régulièrement à eux. Ces maudits banditi patrouillent sur les toits de Rome aujourd'hui. Si ces malheureux venaient disparaître, personne ne les regretterait. Tu veux que je tue des gars, quoi? Je vais tout le monde avec le pistolet, pas plus de 4. Ça me va. Bon, ils traînent sur les toits, c'est des bandits, c'est à côté, j'y crois. Oh, malheureux, doucement avec la cristalline. Je l'ai à peine repéré, il s'est caché. Il s'est cassé. Je vais pas m'énerver de ce move, hein. À partir du moment où tu le repères, il se casse, c'est chiant en fait. Moi, si je l'ai à l'arbalète, ça va aussi, moi. Ok. Ouais, non, 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 c'est bon, j'aime bien la vie, mais. Tiens, on va retirer notre petite affiche de nous. Alors, c'était pas ça, c'était ça. Mais oh! Je vais pas m'énerver de ce move qui vient de se passer là. C'est-à-dire, j'étais dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il va où? Tu sais, j'aimerais bien que t'ailles de l'autre côté, comme ça on gagne du temps.
Alors théoriquement, si je la je gère, c'est bien. C'est bon. Bon, plus que deux carreaux, je peux l'avoir. J'ai confiance au fait que je peux l'avoir le dernier. Ouais. Oui. C'est juste pour faire les quêtes, hein, désolé. Non, je pense pas que ce soit lui, je pense que c'est plutôt lui. Allez, des bisous. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Admirez ce superbe article de ferronnerie. Il est sérieux? Ouais. Chiant. Bon, réparons nos armures pour des munitions. Munitions. Balles. On va se remettre tout en balles. Ah, il y a une touche pour remplir. Tiens. Armure. Tout ce qui est achetable, on achète. Et ben voilà. Des nouvelles armes plus puissantes ou pas? On a les stocks plus 1, moins 2, c'est un peu chiant. Non, on n'a pas mieux. Vous ne le regretterez pas. Et surtout, revenez me voir plus souvent. Bon bah de rien, je l'ai tout acheté, je lui ai tout acheté. Allez, on va faire cette quête maintenant. En espérant qu'elle soit moins chiante. Ah, les gens qui fuient instantanément, c'est pas bien. Je l'aime bien, le Ezio en bresson, comme ça. Je trouve qu'il donne une plus forte valeur à son personnage. Après, en blanc comme à l'Altaïr, c'est très beau aussi. Hein. Ça va, désolé. Eh tiens, juste pour un truc. Ah, j'y arrive pas. Ah, ah voilà. Voilà. J'étais pas sûr que ça soit. Putain, c'est un succès légendaire quoi. Vraiment. Salut toi. Putain, je m'attendais pas à ce que ce soit un succès légendaire. Je t'imaginais plus jeune. Un homme de ta génération ne peut pas être aussi agile qu'on le raconte. Je demande à voir. Il veut faire une course, ce connard. Cœur vaillant, terminé à compte en moins de 60 secondes. On a quoi, 1 minute 20 de base. Battez votre adversaire à sa propre course. Ok, il faut une marge de 50 secondes. Je sais déjà pas où aller. Ok. Je vais pas m'énerver de ce qui vient de se passer. Oh, les directions automatiques. Et surtout, je connais pas les points là. C'est pas passé. Ok. Ouais, bah c'est mieux comme ça. Hein. Bon, ça a 15 secondes pour aller là-bas. Ouais, 15 secondes pour aller là-bas, faut les faire, ouais, attends. Et voilà. Easy. Pas du tout arnaqué l'endroit, hein. Bon, écoutez, on va se faire la dernière quête. Par contre, il me fallait aller dans le total autre sens de là où je voulais aller. Un peu chiant. Et on va faire la dernière quête. Il n'y a pas de quête ressourie, hein. Ouais, on a fait toutes les quêtes ressourie. On va faire la dernière quête des voleurs et puis ça sera fait. Hop, on se remet full life. Oh, c'est loin. Je m'attendais pas à ce que ça soit si loin. C'est pas du tout par là. Je suis un peu con.
Allez, cassez-vous du chemin. Si, c'est bon, je peux passer là. Je peux passer là. Un petit peu. J'ai bu une Grimbergen des mers. Mais sinon, ça va. Sinon, je m'en sors bien. J'ai envie de mettre le feu à leur baraquement. Oh, le trajet est chiant en fait. Non mais si vous avez peur d'un pauvre cheval qui va au galop, ah bah c'est nul. On aurait pu même se TP en fait. Hein. Bon, on est arrivé au moins. Pour cette dernière quête de voleur. Salut toi. Etio, tu ne vas jamais le croire. La Volpe a trouvé une formidable opportunité. Un cadeau offert au Cento Occhi par la famille Borgia. Des indulgences, des promesses et des pots de vin. Rien que ça. J'y crois. Allez. Est-il de préciser que notre guilde pourrait en tirer parti si tu parvenais à t'en emparer. Allez, pourquoi pas. Et restez non repérés pendant que vous essayez de voler le contenu du coffre. Oui. S'ils veulent, hein, moi je veux bien. Allô? Ouais, les documents. Ok, c'est par là-bas. Peut-être j'ai encore full thune dans la banque, mais ça me sert à rien. J'ai plus grand-chose à acheter. Hein. J'ai récupéré deux carreaux de vie, je viens de me rendre compte. De toute façon, j'aurai l'armure de Romulus. Qui, j'espère, me donnera au moins 4 ou 5 carreaux de vie supplémentaires. Par ici. Par là. Par là. J'ai déjà envie de démarrer le révélation ce soir, quoi. Je suis très curieux pour le révélation. C'est moi ou c'était le même dialogue deux fois? Ok. 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 Oh. Bon, un petit allié. Casse pas les couilles, toi. C'est bon? Eh ben, c'est good. Allez, vous pouvez y aller. Je vous remercie. Il y avait un florin et un document. Merci pour le florin. Cassez-vous du chemin. Il devrait faire en sorte que... Ouais, non, c'est de la merde. Genre, un jour, dans jeu vidéo, parce que jeu vidéo, tu vois, on gagne des trucs, on perd des trucs, on gagne des trucs, on perd des trucs. Mais il devrait faire en sorte que dans un jeu vidéo, on puisse gagner en fonction de... Gagner des trucs, plutôt au niveau de l'argent, mais en fonction de notre niveau, parce que l'argent, on y gagne machin, comme ça, comme ça. Il n'y a pas un vrai jeu où, genre, t'es level 50, tu gagnes 10, et t'es level 20, tu gagnes 2000, tu vois. Et il devrait faire ça. Je sais pas. Je vais porter ceci à la Volpe. Bon, allez. C'est une fin de mission. Alors, j'avais vu. On va faire une petite. Pas une petite pause, mais on va cutter la VOD. J'avais vu qu'il y avait un autre contrat d'assassinat ici. Une fois qu'on a fait ce contrat d'assassinat, bah écoutez. On va aller faire l'entre-deux Romulus et deux contrats d'assassinat, puis reprendre la quête principale pour cet acte 8. Juste aller me chercher un petit truc à manger en vrai. Donc, un nouveau contrat d'assassinat ici. Donc, il y en avait 5 des contrats d'assassinat.
Allez, je me mets devant. Qu'est-ce qu'il a dit à la guilde des voleurs? Il a pas dit des nouvelles quêtes, je vais pas m'énerver s'il a dit des nouvelles quêtes. Mission voleur, je vais pas m'énerver. Dépôt plein, merde, la banque elle est pleine. Désolé. Allez, c'est parti. Salut toi. Retirer des sous. Allez, je m'arrête là. On va s'arrêter là-haut. Enfin, on va faire la pause là-haut. Je vais juste aller chercher à manger, passer aux toilettes, et puis c'est cool. On pourra reprendre. J'espère que les missions voleurs et les derniers trucs nous prendront juste une VOD. Et puis après, on pourra reprendre la quête. Allez, je vous fais des bisous YouTube. Petite pause. C'était cool.